D'être venu aussi nombreux, je m'y attendais vraiment pas pour te dire, parce que on va parler d'un sujet vachement sympa. On va parler d'une hypothèse de travail, et si la France disparaissait, ça veut dire... Bah oui, Stasis, c'est les grands troubles intérieurs. Ça se traduit généralement par guerre civile. Donc bon. Hop. Donc voilà. Des formations professionnelles obligent, et vous ne m'en voudrez pas trop. J'ai trouvé cette citation, je vous la donne telle qu'elle. Je suis la guerre du forum farouche, la guerre des prisons et des rues, celle du voisin contre le voisin, celle du rival contre le rival, celle de l'ami contre l'ami. Je suis la guerre civile, je suis la bonne guerre. Henri de Monterland. Qui l'écrit... Donc la guerre civile en 1965. Monterland fait partie, pour différentes raisons, des petits infréquentables de la littérature française, parce qu'il y en a des grands. Pas petits en talent, mais petits en détecteur d'antifascisme de base. Hein, qui est un peu le détecteur des lettres d'aujourd'hui. En réalité, cette conférence... est organisé pour le numéro qui est sous presse de Perspectives Libres, de la revue que j'ai l'honneur de diriger et dont une partie de l'équipe rédactionnelle est présente dans cette salle, sur la notion de stasis. Stasis est une notion qui a été très rarement théorisée, quasiment jamais, qui a été d'ailleurs très vite oubliée par les Grecs eux-mêmes qui en sont les pères. Elle a été oubliée au profit d'une autre notion, et c'est intéressant de savoir pourquoi. C'est la notion de polémos. Alors, beaucoup connaissent la phrase qui est issue de la pensée grecque, « Le combat est le père de toute chose ». En réalité, c'est une phrase qui n'implique pas que la guerre, que le sang ou que le combat au sens physique du terme soit le père de tout phénomène. C'est une phrase qui dit que ce qui est le père de toute chose, c'est les pôles positifs et les pôles négatifs. C'est ça le combat. Et l'alternance des deux est le père de toute chose. Et en réalité, l'avantage du terme polémos sur la stasis, c'est que polémos, c'est la guerre extérieure. Et de parler de polémos, c'est beaucoup plus simple, parce que au moins l'ennemi n'est pas votre voisin de palier, n'est pas votre frère, n'est pas votre cousin. C'est pour ça que la guerre civile rend nerveux les intellectuels. Personne n'a voulu réellement la théoriser. Certains en parlent. Hobbes en parle, bien sûr. Mais pourquoi Hobbes en parle-t-il? Hobbes et Bodin, parce qu'ils l'ont vécu. D'ailleurs, nous allons y revenir, un peu dans les solutions, vu que ce sont deux grands penseurs qui ont pensé la manière de résoudre ce type de problème. Mais restons un petit peu sur la pensée grecque. Les Grecs vont, avant tout, dès Platon, lier trois notions. La cité, la famille et la guerre civile. Eh oui,
La plupart des gens pensent que les Grecs ont sublimé leur pensée de la, et de la famille dans la cité. Ce n'est pas tout à fait vrai. La stasis est ce moment où des conflits familiaux, ce qui est normal dans un être social qui est dominé par les grandes familles, se terminent par les armes et se résout par une réconciliation et une fête. C'est très présent dans, je me permets, dans le Ménexène de Platon. Notre guerre intestine. Okeios polemos fut conduite à telle sorte que si le destin condamnait l'humanité à voir la guerre civile, personne ne souhaiterait voir sa propre cité subir autrement une telle maladie, du côté de, et du Pirée comme de la ville, avec quel empressement et avec quelle familiarité les citoyens se mêlèrent les uns aux autres. Les Grecs se battent entre eux, ça c'est dans la République, comme s'ils étaient destinés à se réconcilier. Et comme l'écrit une femme assez exceptionnelle, Nicole Laureau, qui est décédée maintenant, qui avait fait un travail merveilleux sur la cité divisée, histoire de la guerre civile chez les Grecs. Les Athéniens n'auraient mené de guerre intestine que pour mieux se retrouver dans la joie d'une fête de famille. En réalité, c'est pour ça que la guerre civile est un peu le non-dit de la pensée politique. Parce qu'elle est le pire de tous les maux, c'est-à-dire le mot qui vous fera tuer les vôtres. Le crime inexpiable. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte que finalement, cette grande ombre de l'histoire de France, nous allons y revenir, car c'est une ombre récurrente. Combien de fois nous sommes-nous affrontés que cette ombre n'est plus si loin de nous, finalement. À tel point que je vais vous citer une partie de nos élites sur le... intéressant. Car c'est un non-dit qui a explosé après les attentats de novembre pour nous. Qui a dit « cette division peut conduire à la guerre civile » Vous vous rappelez pas? Ah, c'est notre Manolo. L'objet du terrorisme, c'est de pousser l'adversaire à la guerre civile. Pascal Horry, qui est un intellectuel de cour. Cette guerre civile impossible, impensable et inacceptable peut se déclencher. 13 janvier 2016, François Kersaudy, qui est un de nos grands historiens de la Seconde Guerre mondiale, d'ailleurs dont je vous recommande son De Gaulle et Roosevelt, où vous verrez à quel point un Américain illustre pouvait nous détester. Comprenez-moi bien, mes équipes n'ont pas du tout demandé à des hommes aussi estimables que Christian Arbulot de contribuer à ce numéro pour se réjouir de la situation ou pas, ou pour cette petite fierté, fierté perverse de se repaître d'un massacre avant qu'il ait lieu. Mais il faut bien comprendre que la paix sur la longue durée est une conquête politique. Ce n'est pas l'état normal d'une cité. Ce n'est pas l'état normal d'un état, ce n'est pas l'état normal d'une collectivité humaine. C'est une conquête et la paix ne se conquiert pas par la mansuétude ou par le charlisme. Les anciens nous l'enseignaient. Si vis pacem sem parabellum. Qui veut la paix prépare la guerre. Et aujourd'hui, nous sommes face à différents types de menaces et nous allons essayer d'échanger ensemble là-dessus. C'est le thème de ce numéro. C'est d'ailleurs le thème d'une des contributions qui est un,
qui, pour la première fois dans l'histoire de notre revue, a été faite par quelqu'un qui ne signe pas de son nom par obligation de réserve, mais qui ne signe même pas d'un pseudonyme, vu qu'elle est issue d'un membre des services spéciaux français, qui, disons, a préféré le faire comme ça, car ce n'est pas un sujet qui peut aider sa carrière, c'est certain. Pour bien comprendre, il faut que nous revenions un petit peu sur les 30 dernières années qui nous mettent au bord du gouffre, pour une raison. Thucydide voyait dans la stasis le pourrissement des cités grecques. Et que les cités grecques étaient tellement en état de déliquescence qu'elles avaient besoin d'un affrontement, qu'elles avaient besoin d'une régénérescence par le conflit pour pouvoir se retrouver. C'est une pensée politique peut-être un peu trop virile pour notre temps, mais c'était la pensée grecque. Aujourd'hui, on ne pourrait pas écrire ça. Pour diverses raisons, les droits de l'homme, tout ça, je vous laisse les lister. Et qu'est-il arrivé à notre corps social pour que nous en soyons là? Et pour que nous soyons pas si loin de troubles intérieurs qui remettent en jeu à terme, et pas à terme long, d'ici les 30 prochaines années, la survie de la France en tant que nation. Je rappelle que la France, entité millénaire, a déjà été démembrée, vendue par ses élites, traité de Troie, a déjà été envahie, près plus d'une dizaine de fois, et nous sommes toujours là. Et aujourd'hui, pourtant, c'est dans notre essence et dans notre être qu'il y a une menace, peut-être la plus grave depuis 40. J'emprunte ce mot à Philippe de Villiers. Les Français sont dans un syndrome de dépressif pire que mai-juin 40. Pas tout à fait faux, on va y revenir. Qu'est-ce qui a fait la déchéance de la France? Prenons d'abord les prémices de longue durée. Et là, je vais essayer de vous présenter, même si j'aurai l'occasion d'y revenir, vu que c'est le thème d'un ouvrage que je suis en train d'essayer de préparer, et que je vous soumettrai pour la campagne présidentielle. Chacun commémore l'inutile comme il peut. Prenons les prémices de longue durée avant de nous concentrer sur les 40 fatidiques. Les prémices de longue durée, Je pense qu'on aura un débat intéressant avec les historiens de la salle. En tout cas, voilà comment moi je l'interprète. Vous êtes toujours, à mon avis, beaucoup d'entre vous se sont dit en regardant l'histoire de France, quel magnifique pays qui a tant de fois été trahi. C'est effrayant. De toutes les nations, disons, du voisinage de ce qu'on appelle l'Europe, nous sommes ceux qui avons été le plus trahis pour le compte de l'étranger. Et de très très loin. Number one de très très loin. Comment l'expliquer? Je vais tenter une explication à partir des travaux d'Emmanuel Todd sur le caractère égalitaire dans nos représentations. Chez les peuples qui relativisent, je ne dis pas qui ignorent, mais qui relativisent la notion de hiérarchie, ce qui n'est pas le cas des Britanniques, ce qui n'est pas le cas des Allemands, le pouvoir doit se poser la question de la légitimité et doit se la reposer assez souvent. Le pouvoir ne passe pas de main en main à coup de guerre nobiliaire, ce qui est fondamentalement le cas de la guerre des Deux Roses, en Grande-Bretagne.
quand la notion de légitimité, nous sommes le peuple qui a enfanté la Boétie, ce n'est pas pour rien, doit se reposer à intervalles réguliers, ça demande une notion de service de la classe élitaire qui est certainement une des notions les plus exigeantes pour les élites. Et c'est, je pense, un des peuples les plus exigeants à ce niveau-là. Ça ne veut pas dire que les Français soient ingouvernables, contrairement à une légende tenace. Moi, j'y ai jamais cru à ça. Par contre, ils demandent beaucoup d'exemplarité. Parce qu'ils ne naturalisent pas les inégalités. Contrairement, par exemple, à un pays comme la Grande-Bretagne. Il y a l'aristocratie foncière, il y a les lords, et puis il y a les autres. Le grand problème, c'est à partir de ce moule, quand nous avions l'État monarchique et la classe aristocratique, quand elle était une classe guerrière, chacun était à sa place. Ça ne veut pas dire, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, ça ne veut pas dire que le système d'Ancien Régime, et je dis bien le système d'Ancien Régime post-féodal, c'est-à-dire quand le roi de France a mis au pas les féodalités, était un système parfait, très loin de moi cette pensée. La seule chose, c'est que c'était un système, premièrement, où la vie des individus était insérée dans un tel nombre de liens sociaux que les individus, dans un tel nombre de liens sociaux, pardonnez-moi, que les individus, disons, trouvaient assez facilement un sens à leur vie, mais surtout que chaque institution avait un sens précis. Au service de le roi de France, l'aristocratie qui est une aristocratie de défense, et le peuple qui devait nourrir la nation. C'est un de nos points communs d'ailleurs avec l'ordre russe. Parce qu'en Russie, les termes gouverner et nourrir viennent de la même racine. C'est pas pour rien. Le grand souci, c'est que quand la classe bourgeoise est venue à maturité et qu'elle a détrôné d'ailleurs les classes aristocratiques qui d'ailleurs ne servaient plus à rien depuis la centralisation de la cour, qui avaient abandonné leurs fonctions sociales, donc elles méritaient de mourir, de disparaître. La classe bourgeoise n'a jamais trouvé son être symbolique en France. Elle est méprisée par le génie populaire, méprisée par notre littérature, à quelques exceptions près. C'est simple, hein, citez-moi trois écrivains bourgeois. André Mauroy. André Mauroy, il écrit quoi? L'histoire de l'Angleterre, seul pays qu'il admire, c'est pas pour rien. Paul Morand, dont la loyauté à la France est un sujet de discussion en soi. Quelques autres de ce type-là. Et le grand problème, c'est que la bourgeoisie française va très vite se chercher des maîtres. D'abord, cette anglomanie délirante du siècle des Lumières, absolument délirante, qui voit l'Angleterre comme un État extrêmement avancé par rapport au nôtre, ce qui est faux. Ça se voit dans les naïvetés de Montesquieu, par exemple. Parce que quand Montesquieu vous vend la séparation des deux pouvoirs et de l'autorité judiciaire, premièrement, il ne vous vend pas la séparation des pouvoirs, Montesquieu en soi. Ça, c'est une invention a posteriori. Mais tout simplement, il vous raconte l'Angleterre de son temps. C'est-à-dire un roi sans pouvoir et un parlement sans pouvoir de faire tomber le roi. C'est-à-dire un État bloqué dont d'ailleurs va s'inspirer l'État américain. Constitutionnellement. Bah oui. Ah oui, les pères fondateurs étaient peut-être des génies, avant tout à quelques exceptions près, c'est surtout des tarés religieux hein, pour beaucoup. Donc ils ont avant tout recopié le modèle qui les avait foutus dehors. C'est-à-dire le modèle britannique. Bon. Faut bien comprendre que nous ne sommes jamais arrivés. D'un côté, Pierre Desproges le disait bien, la Bastille était vide, la bourgeoisie l'a pris, moralité, elle y est restée. Et malheureusement, ce n'est pas tout à fait faux. C'est une classe qui a été très patriote quand ça a été son intérêt, mais qui n'a jamais trouvé dans l'être national sa,
disons, qui n'a jamais trouvé son épanouissement et sa reconnaissance. Contrairement à la Grande-Bretagne, où ils sont devenus les lords. Ils ont pris la place de l'aristocratie foncière. Bon. Après les Anglais, ils iront vers les Allemands, et après ils iront vers les Américains. Et comme l'écrit très bien la Croix-Rise, ils feront le choix de s'arrimer économiquement à l'Allemagne, ce qui vous donnera ça plus le briandisme, la collaboration. À travers la notion qu'à peu près tous les traîtres ont balancée quand ils ont été face à la France, qui est la notion d'Europe, derrière laquelle tout le monde, tous les traîtres se planquent. Depuis, comme disait Bismarck, qui parle d'Europement. Donc si vous voulez, je pense qu'il y a, avec évidemment des résiliences, avec, si vous voulez, il ne faut pas être dans ce culte que l'Occident a depuis les années 20-30, et même, je dirais, même depuis un peu avant, depuis les années 1890, c'est-à-dire le culte de l'apocalypse de la modernité, comme l'écrit très bien Gentile. C'est-à-dire ce culte du déclin de l'Occident, pour paraphraser Spengler, qui va avoir des... Alors, qui va faire Flores jusqu'aux des écrivaillons et plus mitifs, comme Nicolas Bavrez avec La France qui tombe, bon, c'est très mignon, et... Mais qui va, si vous voulez... La pensée occidentale s'intéresse beaucoup à ce qui tombe et ce qui fait tomber. Le problème, c'est que des États connaissent également, et des sociétés et des groupes humains connaissent d'extraordinaires résiliences structurelles, d'extraordinaires renaissances. Ça, c'est un phénomène qui n'est pas tellement étudié, qui semble d'ailleurs ne pas intéresser la communauté des chercheurs, ce qui est bien dommage. Et la France a réussi à rebondir à différentes reprises. Les idéalistes de 1848 seront les hommes de la réforme intellectuelle et morale, qui donneront les bataillons scolaires de Gambetta, qui fera cette France stoïque de 14 qui n'a pas lâché un mètre de terrain. Donc, atypique, la dernière grande renaissance de ce type, c'est l'épopée de la France libre que viendra confirmer le gaullisme. La seule chose, c'est que la France, malheureusement, n'a jamais fait le deuil, et d'ailleurs, d'un côté, c'est peut-être ce qui la sauvera du principe monarchique. C'est-à-dire que la France est vraiment un pays qui pourrit par la tête, comme disait Mao. Ça, c'est très vrai. Et nous avons recommencé à pourrir assez tôt, d'ailleurs. Assez tôt, après la fin de... après, juste après 68... Enfin, juste après l'un des mai 68. Parce que c'est ça la grande, si vous voulez, la grande histoire dont personne ne veut. Enfin, c'est qu'en réalité, ceux qui s'est identifié à la France des années 70 n'étaient qu'un mouvement parmi d'autres. Et peut-être d'ailleurs, c'est une hypothèse qui est de plus en plus soutenue en doctrine, un mouvement largement importé. Parce que les deux autres mai 68, la plus grande grève ouvrière depuis la guerre et le mouvement des paysans, vivre et travailler au pays, ont été effacés, historiquement parlant. Quasi historiquement parlant. Parce que vous avez les théories d'Illich, par exemple, ou des choses comme ça qui l'ont fait survivre. Mais en réalité, à partir de ce moment-là, la France, qui, je vous le rappelle, d'après un rapport remis au président des États-Unis en janvier 1970, faisant de la France le pire rival de l'Amérique dans le monde occidental pour les 20 années à venir, et surtout à l'horizon 2000, vu les bases qui avaient été posées, entre autres, et surtout par le général de Gaulle, la France ne fait plus peur dès les années 70. Ah si, Houston Institute. Si, vous inquiétez pas, les Américains savent mieux que vous qui étaient leurs ennemis. Je sais que ça paraît incroyable aujourd'hui. Mais ce rapport, je l'ai eu entre les mains. D'ailleurs, il est largement cité par Jean-Pierre Chevènement. Il est assez facile à trouver. C'est hallucinant.
Tout simplement parce que nous avions eu ce qu'on appelle une politique d'accumulation de puissance, pour citer Christian Arbulo. Et qu'à partir de ce moment-là, eh bien, nous retournons au statu quo ante, c'est-à-dire à une élite qui ne croit plus, même pas en la puissance de la France, qui ne croit plus à la forme française pour l'avenir. Pourquoi n'y croit-elle plus? Parce que sur ce vivier anthropologique que j'espère vous avoir bien expliqué, on vous y reviendra dans les questions, j'espère avoir été assez clair. C'est une de mes hypothèses de travail. Pour, en réalité, ce qui va rattraper l'élite française, c'est assez simple. La génération de la résistance partant, sont arrivées la génération de ceux qui faisaient leur classe sous l'État français et la génération qui a immédiatement suivi la reconstruction, particulièrement chez les jeunes fonctionnaires, c'est ceux d'ailleurs que j'ai interrogé pour l'affaire dite de 73. C'est-à-dire des gens qui en réalité en veulent à l'élite gaullienne ou gaulo-communiste d'avoir réenclenché le pays, et qui veulent laisser une marque dans l'histoire. Et pour eux, laisser une marque, c'est-à-dire dépasser l'être national, qui, voilà, c'est là où vous allez avoir des raisonnements anhistoriques et surtout qui ont l'apparence du bon sens, mais qui en réalité sont antilogiques. Vous allez avoir un retour de la pensée 19e-iste de la puissance. C'est-à-dire beaucoup de gens vont vous dire « la France est morte en 1815 ». C'est mort quand ça a arrêté de grandir. Ou « la France est morte ». D'ailleurs, la France, si vous comptez le nombre de fois qu'on a dit que la France était morte, il y en a pour qui elle est morte à Philippe le Bel. Pour De Gaulle, elle était morte avec Jeanne d'Arc. C'est Jeanne d'Arc qui l'avait... Jeanne d'Arc avait empêché l'Europe de se réaliser. Donc, la pauvre sainte, déjà brûlée, etc. Maintenant, bon. Et si vous voulez, on est revenu à une définition passéiste de la puissance, c'est-à-dire qui est puissant, c'est celui qui atteint un quorum de population et de terre. C'est la phrase horrible de Giscard. Un Français, enfin la France, c'est un terrien sur 100 ou un terrien sur 1000, et bientôt ce sera plus rien. Ce qui veut dire, si vous actualisez cette réflexion, que parmi les États les plus puissants au monde, on devrait avoir l'Indonésie, 300 millions d'habitants, le Bangladesh, le Nigeria. Si vous voulez, c'est une définition qui, déjà au XIXe siècle, se posait de plus en plus mal. Et théoriquement, qui ne devait plus se poser dans le monde d'après 45. Où vous avez vu de petits États devenir en 20 ans des puissances. Je pense à la Corée du Sud particulièrement, mais la Renaissance japonaise est impressionnante. Parce que la Renaissance japonaise, c'est pas la Renaissance allemande. C'est pas une Renaissance voulue par l'Amérique. Je rappelle que le premier acte de l'occupant américain et du gouverneur MacArthur, c'est d'interdire les arts traditionnels japonais, parce que les arts traditionnels japonais, le Bushido en tête, auraient porté le militarisme japonais. Ce qui est un ethnocide absolument atroce, et surtout historiquement faux. Car le fascisme japonais est quelque chose d'extrêmement court et qui commence en Mandchourie, qui ne commence pas dans les écrits de Tensu Mankai ou de Miyamoto Musashi. Or, si vous voulez, nous sommes arrivés, à force d'ingénierie sociale et de matraquage des populations, à faire croire que cette définition de la puissance devait s'imposer aux populations et que celle-ci devait se déprendre d'elle-même volontairement. C'est toute la pensée du giscardisme. Mystérieusement, c'est également la pensée de la nouvelle philosophie. Pourquoi? Et d'ailleurs, Zemmour le fera dire à Cohn-Bendit. Tu es le père de Giscard. Et ouais, c'est l'avantage avec Dany, c'est qu'il ment pas. Non mais si, un homme extraordinaire qui a beaucoup fait dans le domaine de l'enfance. Mais
Mais si. Mais si, tu verras. Quand il sera plus là, tu le regretteras. Mais... Pourquoi ? Parce que ces gens-là confondent puissance et domination. La puissance, quand le monde est fini, quand toutes les terres ont été découvertes et la plupart des énergies identifiées, la puissance, c'est l'indépendance. C'est de persévérer dans ce qui est soi. Quand il y a des conquêtes à faire, le problème, c'est que dans un monde qui aujourd'hui est fini, on découvrira, à mon avis, pas de continent bientôt. Ça, c'est une possibilité. Pour l'instant, on en est quand même un peu loin. Mais on va y revenir dans les projections. Or, dans un monde où les terres habitées ont sécrété des collectivités politiques, des États K1KA et des nations K1KA, la puissance, c'est la persévérance en soi. Et là, qu'on dit nos élites, elles ont répondu comme en 40. Europe, 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 Europe. Ce faisant, en plus, elles ont ouvert la voie à quelque chose qui m'est apparu grâce aux formidables écrits de notre ami Norman Palma. Elles ont ouvert le lit de la repentance. Parce que quelle est la seule chose réelle qui unisse les États européens à l'époque moderne ? Je ne vous parle pas de la chrétienté, je vous parle de l'époque moderne. Bah, la plupart, en tout cas la plupart des lourds, de ceux qui ont présidé ou dessiné du continent, c'est entre autres d'avoir du sang sur les mains. Ah oui. Nous avons appelé la repentance. Parce qu'on a essayé de réécrire l'histoire des nations pour en faire l'histoire de l'Europe. Le problème, c'est que l'histoire de l'Europe implique l'histoire de l'Europe avec le reste du monde. Et ça, c'est une histoire un peu lourde. C'est pas pour rien d'ailleurs que les deux mouvements intellectuels vont de pair dans les années 70. Et sont portés en plus par les mêmes gens. Je vais vous donner un exemple. Parmi les européistes, vous avez une partie de régionalistes qui sont pour la reconnaissance de différents ethnocides que l'État français aurait fait, qui aux albigeois, qui aux machins, qui aux trucs. Moralité, les partisans des causes afro-antillaises ne vont faire que copier ce qu'ils voient. Une partie de gens qui voulaient d'abord faire entendre la mémoire des déportés, ce qui est le cas de gens comme Lanzmann, ne vont faire que copier les méthodes dont ils sont témoins. Et le problème, c'est qu'à ce moment-là, comme on est à l'acmé de la détestation du fait national, eh bien l'histoire de France va se substituer de l'histoire des héros, ça va devenir l'histoire des salauds. Comment cela va-t-il s'opérer ? Ça va s'opérer par un double mouvement intellectuel. Un mouvement universitaire et un mouvement journalistique. Pourquoi je fais la distinction entre les deux ? Pour une distinction médiologique, qui est l'un des multiples termes qui sera dans le legs de la pensée géniale d'un homme qui est Régis Debray. C'est-à-dire, il y a eu un changement dans les années, il y a eu un changement dans les modes d'acquisition du savoir. C'est ça la médiologie, c'est le rapport du média et du cognitif. Le cas typique, c'était l'affaire Dreyfus, là où les écrivains ont été détrônés par les journalistes. Or, que s'est-il passé dans les années 70 ? Vous allez avoir toute une école d'historiens anglo-saxons, et comme nous sommes dans cette bourgeoisie qui se pique d'extraterritorialité, tout ce qui est écrit par un anglo-saxon est béni, qui va vous réécrire l'histoire de la France sous Vichy. C'est Paxton. Or, Paxton en France, ça va donner Milza, D'Almeida, tous les sciences potards, levez la main. Eh oui, c'est tous ceux qui ont encadré les études d'histoire, entre autres, à l'IEP Paris et à l'ENA, pendant 30 ans. Moralité, c'est ceux qui ont fait le ressentiment historique de l'élite. C'est important, les maîtres. C'est très important. Vous me direz, c'est un mouvement de spécialistes. Vous allez avoir une vague qui va venir très peu de temps après, qui est la vague des théories de Zev Stirnel. Qui est Zev Stirnel, historien israélien d'extrême gauche, anti-sioniste, au passage,
Et bon, qui a fait ses études à Paris. Je pense que ça s'est mal passé parce qu'il n'a pas pour la France une affection sans bornes. Et il a donné une thèse qui sera, elle aussi, popularisée et enseignée à la plupart des élites françaises, c'est-à-dire que la France a fait la GPA du fascisme. C'est-à-dire qu'elle l'a portée, mais elle ne l'a pas accouchée. C'est-à-dire que c'est la France qui a fait le logiciel qui sera celui de l'Italie fasciste d'abord, de l'Allemagne nazie ensuite. Ça vous a donné Wieworka, maître omnipuissant de l'école des études en sciences sociales, plus un réseau d'universitaires, Serge Bernstein, tous ces gens-là, qui ont fini par se retourner contre le maître il y a quelques années. Je vous renvoie à l'ouvrage « Fascisme français pour l'interrogation au CNRS » paru il y a 2 ans, où tous ces gens-là abjurent en disant que la France est innocente, merci, mais trop tard. Le mal est fait. Or, si vous croisez les deux thèses et que vous en faites un ouvrage journalistique, qu'est-ce que vous obtenez? Vous obtenez l'idéologie française. Vous obtenez Bernard-Henri Lévy. Et c'est là où le changement médiologique est important, parce que Bernard-Henri Lévy, c'est plusieurs, à l'époque, pas aujourd'hui, aujourd'hui c'est plus rien. Aujourd'hui, il achète ses propres livres. Bon. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Or, à l'époque, c'est plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires. Même si les grands savants de l'époque, Jean-Pierre Vernant, Raymond Aron, pour quelqu'un pour qui je n'ai aucune affection, mais Raymond Aron, quand Bernard-Henri Lévy accuse Bertrand Jouvenel, Raymond Aron va témoigner pour lui et meurt sur les marches du tribunal d'un arrêt cardiaque. Il avait dit de Bernard-Henri Lévy que c'était des livres qui étaient de mauvaises copies de Bachelier. Et si vous voulez, ce sentiment de dégoût, d'antination, qui ne naît pas de l'extrême gauche, là je vais vous surprendre, mais ne naît pas de l'extrême gauche. Pour tous ceux qui ont été soit, alors staliniens surtout pas, parce que le PCF et le F étaient quand même pas si oubliés que ça, mais même chez la plupart des trotskistes, en tout cas chez les lambertistes c'est sûr, pour ceux qui ont suivi les cours de formation, ils étaient dans la nationalisme. C'est-à-dire pour eux, la nation, ça existe ou ça n'existe pas. Nous, notre savoir ne porte pas là-dessus. Même chose chez les Mao Spontex. Les écrits de Morgan Sportes sont assez intéressants là-dessus. Quand il raconte qu'à l'AGP, à la gauche prolétarienne, quand une petite bourgeoise apprend la mort de De Gaulle et éclate de rire, son chef de cellule lui colle une gifle comme son père ne lui en a certainement jamais collé. En disant « De Gaulle est mort et toi tu la fermes ». En réalité, c'est venu de l'antitotalitarisme. Pourquoi? Parce que l'antitotalitarisme de deuxième formule, parce qu'il y a eu un antitotalitarisme des années 20-30, beaucoup plus intéressant d'ailleurs. C'est dans celui-là dont le plus connu est George Orwell. Mais on pourrait dire Simone Veil, également. Or, vous allez avoir deux grandes branches de l'antitotalitarisme. Vous allez avoir des hommes extrêmement brillants, comme Castoriadis, qui ne créera pas une pensée beaucoup trop complexe pour être politisable. Et vous allez avoir tout un mouvement de la gauche antitotalitaire particulièrement, qui identifie le fait national au fait de contrainte. Ça va vous donner quoi en 68, en caricature? CRSSS, le slogan le plus débile jamais inventé. L'État national, c'est la contrainte. Le problème, c'est que si vous niez le fait de contrainte dans le fait politique au nom du goulag ou au nom de Schwitz, vous niez le fait politique lui-même. Et dans un pays éminemment politique comme la France, ça va avoir des effets catastrophiques. Pourquoi? Parce que au nom de l'antitotalitarisme, l'État va connaître sa deuxième révolution libérale. C'est-à-dire, d'un certain côté, je pense sincèrement, c'était l'une des hypothèses de travail de mon équipe, que nous avons, que les grandes guerres de religion séculière, les grandes guerres des grands totalitarismes, ont enfanté un deuxième moment libéral parallèle à celui des guerres de religion. C'est-à-dire qu'à un moment, nous sommes revenus à un culte de la neutralité axiologique. C'est-à-dire l'État n'est plus en droit de dire le bien, le beau et le vrai.
Plusieurs d'ailleurs grands penseurs de cette époque l'ont pressenti, Jean-François Lyotard, en disant la fin des grands récits structurants. Il y a aussi les gens qui adorent ça, Ulrich Beck et bien sûr le grand penseur de la modernité décadente, Habernas. Oui, je sais, c'est mesquin. Mais c'est mesquin, mais quand même, c'est moi qui cause, donc je me fais plaisir. Donc, il faut à tout prix que la forme du lien social qui reste soit celle du consentement. Il y a déjà eu un penseur dans l'histoire de France qui pensait ça. Qui est-ce ? Affreux anachronisme abject. Mais que l'être collectif doit se baser sur le consentement. Qui est-ce ? Pardon ? Boudin ? Non, surtout pas. Marquis de Sade. Eh oui ! Le père du libéralisme libertaire. Le père français, en tout cas. Ah bah oui. Les infortunes de la vertu. Elle consent, donc elle prend. Simple. Ok ? Lisez-le. Il est extraordinaire à ce niveau-là. Parce que le consentement est le début de la réification individuelle. Et une fois que vous êtes réifié, vous ne serez plus rien collectivement. Vous voyez le problème ? Or, nous n'avons pas su redéfinir un projet collectif. Évidemment, les rebelles des années 70, tous dans des projets infrapolitiques, vu qu'ignorant au nom de l'antitotalitarisme, le fait d'État, c'est tout ce gauchisme antistalinien. Les autogestionnaires, tous ces gens-là. Dans les années 80, ils vont se convertir à quoi ? Au fric. Pourquoi ? Parce que le fric, c'est la neutralité axiologique, comme le disait très bien ce grand métaphysicien, Olivier Besancenot. Mais Anelka, il n'exploite pas le ballon. Donc, c'est pas un dû son argent. Véridique, hein ? Et ouais ! Ah ouais, c'est le souffle de la roquette. Là, c'est en train de monter au cerveau. Hein ? C'est en train de monter au cerveau. Eh ouais. Eh ouais. Eh oui. Non, mais vous voyez jusqu'où ça mène. Le rapport social, le rapport de gouvernement oublie la notion d'élite et une élite, elle est pastorale ou elle n'est pas. Elle guide, elle ne contraint pas nécessairement, mais elle donne une direction. Gouverner, c'est gouvernail. Le problème, c'est que si vous n'avez plus le droit de dire ce qui serait bien pour une société, la notion même de gouvernement est morte. Et si vous ne faites plus de gouvernement, vous faites quoi ? Vous faites des règles pour le parc humain. Vous faites du gardiennage et de l'ingénierie sociale. Ce faisant, vous ne faites plus de contraintes. Vous persuadez les gens de rester dans l'enclos eux-mêmes. Vous ne leur donnez plus de moules. Vous les unissez par les passions basses. Parce que ça marche. Ça marche toujours. Faut bien comprendre que l'État, ça vient du fait de se relever, étymologiquement. Et que l'État, en plus d'être un protecteur, est souvent un tuteur pour un peuple. Un tuteur, c'est pas une prison. Comme une frontière, c'est pas une écluse. La seule chose, c'est que pour réaliser une humanité, si l'humanité est politique, peut-être que depuis la pensée grecque, nous nous gourons tous, et peut-être que nous devons communier dans Cyril Hanouna. Peut-être. Peut-être. Ah oui. Ah ben, soit on communie par le haut, on communie par le bas, camarade. Hein. On ne communie pas l'horizontal. Mais peut-être que nous nous sommes gourés, que l'homme n'est pas un être politique. Peut-être. Moi, je préfère garder cette hypothèse-là parce que j'ai pas tellement envie de... Enfin bon, chacun son truc, hein. Mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est que ce faisant, nous avons nié le fait de souveraineté. Mais en niant le fait de souveraineté, qu'avons-nous réveillé ? Nous avons réveillé la multiplicité des discours, qui n'est pas un mal en soi. Nos identités sont multiples, certes, elles l'ont toujours été. J'aime bien les sciences sociales qui disent que vous n'avez pas le droit de définir ce qu'est être français, l'identité est multiple. L'identité d'un homme du Moyen-Âge était encore bien plus multiple que la vôtre. Parce que vu le nombre de corps intermédiaires auxquels il appartenait,
Il avait une identité encore beaucoup plus multiple. Il était dans l'église, il y croyait. Il était dans les corporations, la plupart d'entre vous, vous n'y êtes pas. Bon. L'identité a toujours été multiple. Le problème, c'est que l'État, lui, doit s'occuper des identités politiques, donc des identités majeures. Tout le reste relève de vous-même. Ce faisant, on a interdit aux États de le faire. Au nom du plus jamais ça. Ce qui, au passage, était, si vous voulez, était une relecture absolument délirante des années noires. C'est un exemple que je prends souvent, mais je ne suis pas le seul à le prendre d'ailleurs. Mais l'horreur de la Seconde Guerre mondiale, elle commence par l'image de la Wehrmacht levant la frontière belge. Et pas comme disait Chesterton, avant de retirer une barrière, demande-toi pourquoi l'ancien propriétaire l'a mis là. Vous voyez ce que je veux dire? Or, nous avons souhaité en même identifier. Nous avons identifié l'appartenance au mal et donc nous avons fait le projet politique le plus mixolâtre possible. C'est-à-dire tout est permutable. Tout est possible. L'identité n'est qu'une construction. Alors nous allons reconstruire. Ce faisant, nous avons ravivé la guerre de tous contre tous. Nous avons ravivé ce pourquoi la souveraineté est née. C'est-à-dire pour faire vivre ensemble des hommes différents. Comme le disait très bien Victor Hugo, je cherche l'égalité, je ne cherche pas l'identité. Les projets politiques normaux, je ne vous parle pas des projets politiques totalitaires, qui d'ailleurs ne se réduisent qu'à une variante du communisme qui a eu lieu, bon, et qui est morte, contrairement à certains anti-russes de profession, et au nazisme allemand, point. Ce sont des régimes qui sont morts. Mais la plupart des formes de gouvernement maintiennent cette morale minimale du bien, du beau et du vrai. Ils le doivent. Et ce ne sont que des étalons à partir desquels le citoyen ou le sujet doit lui-même se positionner. Mais il se positionne dans la société. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que tout ce qui faisait la politique naturelle, pourquoi avons-nous créé la notion de souveraineté? Elle naît de deux auteurs qui ont été en face des guerres intestines, en face des stasis. Les guerres de religion pour Bodin, les guerres intranobiliaires britanniques pour Hobbes. Il ne faut jamais oublier que ce qu'on appelle le Léviathan chez Hobbes n'est que la contrepartie du Behemoth. Le Behemoth, c'est le monstre terrestre de la division interne, de la guerre entre frères. C'est la fameuse phrase qui est empruntée à Plaute, d'ailleurs, qui n'est pas du tout de Hobbes, qui est « L'homme est un loup pour l'homme ». Pour dissoudre complètement le fait politique, il fallait donner des idéaux de substitution. La classe comprador, lui, avait le sien, c'était l'Europe, mais il fallait... Et ce au quoi le ralliement du Parti Socialiste par le tournant de 83 va donner deux choses. La politique des droits de l'homme, dont le principal avatar, et vous le connaissez, c'est l'antiracisme délirant. Qui d'ailleurs n'est pas un antiracisme, qui est juste une promotion, une imposition, si vous voulez, c'est un récit biopolitique, comme les autres. Le métis devenant la race supérieure de ce monde-là, comme le dit très bien Taguieff. Et à titre personnel, on peut difficilement me faire le procès de la haine, de haine du métis. Hein, je vais quand même pas détester ma gamine, quand même pas déconner. La seule chose, c'est que les politiques publiques n'ont pas à s'occuper de ça. Ce n'est pas un État de définir que les populations doivent se mélanger si elles n'en ont pas envie. Vous me direz, pour faire taire des guerres civiles, ne l'a-t-on pas fait dans l'histoire? On l'a fait, oui, entre Grecs. C'est un peu différent. On l'a rarement fait
Le seul qui a essayé de le faire entre peuples qui venaient de mondes différents d'un point de vue symbolique, c'est Alexandre le Grand. Ça s'est mal terminé. À la fois pour lui et pour ses généraux qui ont laissé tomber généralement leurs épouses égyptiennes ou d'Asie centrale. Pour ceux qui sont revenus des marches, car je rappelle que l'armée d'Alexandre elle est aussi décimée entre autres par la peste. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cet antiracisme, aujourd'hui qui est arrivé à un point radioactif, si vous voulez, va faire naître un inconscient de dévaluation de la France et des Français, ce qui est l'antithèse de ce qu'il faut faire quand on veut assimiler des étrangers. L'antithèse. C'est-à-dire, nos ancêtres sont des salauds, bienvenue. Plus délirant, tu meurs. Sur certaines communautés, ça ne va pas avoir de rebondissement. Chez les Portugais, chez les Asiatiques, ça va pas marcher. D'ailleurs, l'antiracisme ne va jamais trop s'intéresser à eux. Ça va faire beaucoup de mal à la fois dans les communautés africaines et même dans la communauté antillaise, des gens qui sont des Français de souche. Navré pour ceux que ça indispose, mais les Antilles étaient françaises avant Nice. Et ça va faire un mal fou à ceux qui sont venus d'Afrique du Nord. On dit souvent, c'est lié à l'héritage colonial. Non. Regardez ce qui se passe en Suède. Elle a un héritage colonial à quelle heure, la Suède? Les Vietnamiens, zéro problème. Or, pourquoi? Parce que, manque de peau, nous allons faire venir comme vague migratoire des gens auxquels nous allons refuser la rigueur de l'assimilation. On oublie tout ça. Mais un tiers des Italiens arrivant à la fin de la Première Guerre mondiale sont déjà partis dans les années 30. Partis parce qu'on les a foutus dehors. C'est terrible, l'assimilation. Ça demande des cadres extrêmement précis. Et des cadres rigides. Le problème, c'est que rigidité, contrainte, CRSSS. Vous voyez le problème? Donc, on en était à nos ancêtres les salauds. Alors, quand même, il y a nos ancêtres les salauds, et puis pour se distancier de nos ancêtres les salauds, on a créé le discours des valeurs, à partir des droits de l'homme. Grand tournant des années 80, comme l'écrit très bien Marcel Gaucher, les droits de l'homme deviennent une politique. Or, l'avantage, c'est que la France devient le pays des droits de l'homme. C'est-à-dire, c'était un terrain vague avec des ploucs racistes dessus, et heureusement, les droits de l'homme sont nés là. Coup de bol, ça les sauve. Donc, et à partir de ce moment-là, on n'assimile plus à une histoire unitaire, on assimile aux valeurs. Plus de références de peuple, plus de références historiques. La France est effacée. Les anticorps français vont se réveiller quand même assez tôt. Il suffit de voir ce qu'est le programme migratoire du RPR sous Séguin Pasqua. On peut interpréter comme ça une partie de la montée du Front National, je dis bien une partie, et le maintien du Parti communiste français pendant une partie de la période. La seule chose, c'est que comme la contrainte étatique est desserrée à tous les niveaux, la France est décentrée par rapport à son modèle économique historique. Donc, la France est liquidée petit bout par petit bout. Elle est dans la déchéance de la puissance. Et quand vous n'êtes plus en accumulation de puissance, quand vous n'êtes plus fort, vous n'avez plus cette légitime confiance en vous-même. Et ce que mon ami, qui va venir nous faire, à mon avis, une très belle conférence sur la théologie des droits de l'homme, qui, j'espère, ne nous enverra pas en 17e chambre correctionnelle, appelle l'égoïsme sacré. Auquel nous avons tous droit. Tous les peuples y ont droit. Certains, d'ailleurs, la plupart, le font comme ils respirent. Ça n'implique pas cette phrase débile qu'on prête à Romain Gary, qui, je pense, est fausse.
parce que le personnage est un peu assez incapable de penser ça. Il dit, ou du moins, il ne l'entendait pas comme ça. Le patriotisme, c'est l'amour des siens, le nationalisme, c'est l'amour des autres, comme dit mon camarade Yannick Jaffray. Ouais, ça va, mais ça dépend de l'autre. Oui, parce que Gunther Waffen-SS ou notre sympathique, comment s'appelait-il déjà, Salah Beslam, lui aussi c'est l'autre. Or, il n'est pas aimable par nature, l'autre. Voilà. Or, si vous voulez, nous sommes tombés par le discours des valeurs dans cette religion de l'autre. Parce que Lévinas appelle le visage de l'autre. Et tout simplement, bien, ceux qui, à force de ne plus être socialisés dans la nation, mais ont été socialisés dans l'autre, eh bien, demande un programme politique de l'autre. Le cas typique, cette sympathique évadée de la sécurité militaire algérienne, Madame Mouria Bouteja, le visage de l'autre. Et surtout, le quémandement de l'autre, hein, parce que elle est revendicative pour une indigène. Je rappelle quand même un petit passage, l'indigène ici c'est moi, hein, l'indigène ici c'est vous. Juste au passage. Or, le grand problème, c'est que ce discours, à un moment, parce qu'à un moment, les peuples arrêtent toujours de reculer, c'est ce qu'en psychologie politique, on appelle la déglaciation émotionnelle. À un moment, les Français ont arrêté de reculer. À titre personnel, et là, c'est du sentiment, et c'est tout à fait critiquable. Moi, je daterais ça de l'année 2005. C'est-à-dire quand les Français ont arrêté de reculer. C'est-à-dire, un, l'impact conjugué de la campagne délirante que nos maîtres nous ont fait par rapport à l'européisme, plus les émeutes. C'est-à-dire que là, nous avons vu le visage de l'autre. Le visage de l'axe germano-américain et le visage de ces bombes à retardement qui sont arrivées dans nos cités et que n'importe quelle puissance étrangère est capable de faire tomber. À n'importe quel moment, c'est le fameux plan Rifkin d'enrégimentement des banlieues. J'y viendrai sur les projections. Et à un moment, les Français ont arrêté de reculer. Vous l'avez vu par différentes, c'est évidemment les résultats magnifiques et cette coagulation de classe qui a été le 29 mai 2005. Et là, je voudrais juste faire un point personnel. Là encore, ce n'est pas parce que nous avons été trahis que ça efface une bataille gagnée. Et quelle bataille ? Parce que le monstre a été touché. Jusque-là, nous ne l'avions pas touché. La plupart des eurocrates, d'ailleurs, vous disent que le 29 mai 2005 leur a fait perdre près de 10 ans par rapport aux projets tels que eux les voient. Et depuis, d'ailleurs, la France a été éducatrice des nations. Parce qu'à chaque fois qu'un peuple l'ouvre, c'est pour leur gueule. Et oui, jusqu'à le brave Martin Schulz, qui en écrasant une larme a dit que l'Europe était un rêve trahi il y a quelques jours. Hein. Martin Schulz, c'est le libraire du SPD, c'est le patron du Parlement européen, enfin c'est le secrétaire du Soviet suprême, précisément. Fort sympathique. Alors, à partir de ce moment-là, même, pas uniquement les Français, mais beaucoup de peuples sont devenus indociles. Nous verrons si tous les peuples le sont devenus en juin. Parce qu'il y a un peuple dont j'attends beaucoup qui doit voter en juin. Qui est un peuple qui nous a souvent surpris par son indocilité et son excentricité. Or, je vois des années après que ceux qui ont participé à ce combat sont démoralisés, alors que nous n'avons jamais été aussi nombreux. Nous n'avons jamais été aussi nombreux. Moi, j'ai commencé ce combat il y a 10 ans, je peux vous assurer que rien que pour avoir une salle comme celle-là, avec la moitié d'entre vous, là, les mecs en auraient pleuré, hein, tellement ça nous arrivait pas. Non mais si, il faut voir d'où c'est revenu, hein, la souveraineté de la France. Parce qu'il y a eu un lâche soulagement à l'européisme d'une partie de la population. Or aujourd'hui, les rangs gonflent, la seule chose c'est... Les rangs gonflent à fur et à mesure que le précipice arrive.
Eh oui. Parce que nous sommes tous conscients de différentes modalités qui peuvent se combiner pour que la France soit détruite en quelques années. Parce que nous avons démantelé la puissance régalienne, une partie de notre territoire est dans la main à la fois de bandes et de puissances étrangères. Or, nous savons que le jour où nous voudrons, par les moyens policiers ou par les moyens militaires, les reprendre, nous savons qu'il faudra frapper d'un coup net pour être sûr de l'emporter, sinon ce n'est même pas la paix sociale, c'est l'unité territoriale de notre nation qui est en jeu. Nous savons que les chocs économiques salutaires pour la France seront des chocs terribles. L'exemple type, la sortie de l'euro. La sortie de l'euro est un choc nécessaire. Par contre, ça ne va pas être la croisière s'amuse, je vous préviens. Le problème, c'est que c'est soit ça, soit la mort lente. Vous choisissez. Et la mort lente, c'est pas nécessairement la mort sympathique. C'est une agonie. Il faut faire un choix. Le gouvernement d'Union nationale, que évidemment c'est un vieux rêve que nous caressons tous et qu'à titre personnel je caresse depuis que je suis arrivé à l'âge d'homme, certainement n'aura-t-il pas lieu, mais de toute façon, s'il avait lieu, c'est vrai que c'est une tâche herculéenne de faire revenir la France de ce que De Gaulle appelait l'abîme dont on ne revient pas. Néanmoins, c'est tout sauf une tâche impossible. Et pourquoi je pense toujours que c'est une tâche possible ? Parce que ce qui nous sert de boussole, c'est notre longue histoire. Tous ceux qui ont voulu que notre nation disparaisse, elle ne les a pas encore suivis dans la tombe. C'était ce que disait Pierre Boutan à des bons patriotes dépressifs, ce qui est d'ailleurs une espèce très française. J'en parlais d'ailleurs avec un par Facebook interposé. Je lui faisais remarquer que j'aime beaucoup le patriotisme britannique parce que right or wrong, my country. Et qu'à un moment, faut arrêter de chialer. Il faut arrêter de se demander, alors est-ce que si Philippe le Bel avait pas tué les Templiers, parce que vous en avez, la France est morte à Philippe le Bel. Hein. Faut voir les malades mentaux qu'on a. Hein. Or, pourquoi est-ce que Philippe le Bel tue la féodalité et la féodalité c'est de droite et l'État c'est de gauche? Prenons les gouttes. Hein. À titre personnel, oui, peut-être n'y aura-t-il pas de Kairos. Peut-être n'aura-t-il pas ce moment décisif où la ville emporte. Si c'est le cas, je pense que la France ne sera pas la dernière des nations à tomber, parce que, croisant les membres de l'élite européenne à intervalles réguliers, je peux vous dire que les nôtres sont pas brillants, mais alors les autres... Quand vous voyez que le même peuple a donné les Vikings et le bras armé de la théorie du genre en Europe, bah putain, vous vous posez des questions. Hein. Mais moralité, les Français résistent toujours. Ceux qui ont mis des bâtons dans le processus les premiers, c'était les Français. Ceux qui ont maintenu des partis nationaux, je ne dis pas un, je dis des, et des tendances nationales, même parfois à reculons. On m'en veut de dire parfois du bien de Jean-Luc Mélenchon, mais j'en pense. Qu'est-ce que j'y peux ? C'est nous qui résistons le plus. Comme le disent très bien les historiens britanniques, si le projet de création d'une élite transatlantique a pris tellement de retard, c'est à cause des Français. À cause du général de Gaulle. Même nos adversaires nous reconnaissent des qualités. Or, vous me direz, ce kéros, nous ne pouvons pas. Nous pouvons le désirer, nous ne pouvons pas le hâter, nous ne pouvons pas le créer artificiellement.
cet affrontement, cette stasis que j'espère être une stasis verticale, c'est-à-dire entre peuple et élite, parce que nous avons été trahis. Ils ont arrêté d'y croire. C'est pour ça d'ailleurs que quand on parle de Gaulle, ils le détestent tous tellement en privé, parce qu'il les a un peu forcés à y croire, le Kalachnikov dans le dos. Bon, le Kalachnikov s'appelait Michel Debray. Bon, ouais, que voulez-vous. Mais ce sera malheureusement aussi une guerre dans nos rues. Pourquoi ? Parce qu'une élite décadente utilisera ce que toute élite décadente utilise contre son peuple, le lumpenprolétariat. Et le lumpenprolétariat immigré, le lumpenprolétariat déraciné, il n'y a rien de mieux. Parce que la violence des déracinés est la pire. Eh oui. Après, peut-être qu'ils les abandonneront parce que l'armée française, ça existe aussi. Et que je suis pas sûr que les IVA se rendent compte que s'il y a match, ils sont pas si sûrs que ça de l'emporter. Mais faudra les laisser découvrir. Mais surtout, la première renaissance, la première guerre civile que nous devons gagner, elle est interne. Interne à la fois à ceux qui ont encore ce pays dans le cœur, et nous sommes plus nombreux que nous l'imaginons, mais surtout interne à nous-mêmes. Comme disait l'Artegui, alors l'Artegui, je ne sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un. C'était un écrivain militaire, alors bon, un peu militaire qui la raconte, quoi. Mais c'était bien écrit. Il avait écrit un très beau roman qui s'appelait « Tout homme est une guerre civile ». Et la guerre civile, c'est à la fois la guerre de la modernité, par la multiplicité des discours, c'est aussi la guerre de la mondialisation, parce que quand on châtre les États, on fait s'effondrer les sociétés. Les ordres westphaliens, c'est pas baisant, je reconnais. Mais l'avantage des mobilisations westphaliennes, c'est que tant qu'on garde les remparts, on s'entretue pas dans la cour entre frères. Et ce n'est pas un ordre belligène, au contraire. Un équilibre des puissances, c'est ce qui a tué beaucoup moins de monde que cette diplomatie idéaliste, wilsonienne, fonctionnaliste, celle de Jean Monnet à Hillary Clinton. Si, j'espère qu'on ne le verra pas, mais malheureusement, il y a un doute. Or, les paix armées ont tué moins de monde que les beaux sentiments. Et les nations vivantes vivent plus des tombeaux que des bons sentiments. C'est pour ça que le vivre ensemble est une notion atroce, que la société inclusive est une notion révulsante parce qu'elle prépare des guerres de paliers, des gens qui s'entretueront dans les mêmes immeubles. Et c'est ça. C'est pour ça que les ingénieurs sociaux, particulièrement du projet européiste, sont si monstrueux, parce qu'ils habillent de calinours, comme on dit au Québec, grande nation du vivre ensemble, ils habillent de calinours ce qui peut être des mares de sang. Mais cet avenir ne nous est pas promis. Et vous me direz alors, mais qu'est-ce que nous, simples citoyens, nous pouvons faire ? Déjà une chose. Comme notre ami Vincent Cousdière nous le disait, l'assimilation, c'est pour tout le monde. Et être français est une très belle forme de cette humanité à multiples facettes qui est peut-être la seule chose qui vaille dans l'homme d'être sauvé. Or, n'oublions pas une chose, c'est de nous-mêmes nous enraciner dans ce que nous sommes. Et être français, c'est une forme à renouveler, toujours. C'est une forme à transmettre, toujours. Ensuite, il se peut que le moment vient, il faudra travailler notre résilience collective. Ça passe par différents moyens. Ça passe par le fait que, généralement, qu'on doive, à un moment,
ne dire aux gens que ce qu'il faut faire pour qu'ils veuillent rester en vie. C'était par exemple les ordres de Churchill. Dès que Londres est bombardée, les Anglais ne doivent juste savoir dans quelle rue il n'y a pas de débris pour qu'ils puissent mener une vie normale. Point. Ce sont des ordres terribles, mais c'est comme ça que les Anglais ont tenu. C'est aussi travailler notre contre-ingérence cognitive. Apprendre à nos enfants, par la culture et par leur plus lointain et leur exceptionnel passé, à ne pas croire la parole de l'ennemi et à savoir la reconnaître. C'est également travailler une certaine militarisation des populations qui, en réalité, ça commence par des gestes simples qui sont le début d'un renouveau de civilité. Les premiers secours, l'entraînement à la prudence, le fait de préférer être en groupe dans certaines zones, etc. Tout ça, ça s'apprend. Tout ça, ça s'apprend. D'un certain côté, c'est une expression parmi d'autres de ce besoin de chaleur que nous ressentons à peu près tous, parce que sinon, sincèrement, vous aviez mieux à faire ce soir. Je pense. Or, il ne faut pas oublier que nous avons été annoncés morts des dizaines de fois dans l'histoire. Que d'autres nations l'ont été. Regardez le brave général Wegand qui légitimait le fait de se rendre en disant l'Angleterre aura le cou brisé comme un poulet par l'Allemagne dans un mois. Elle n'a pas si mal tenu, le rosbif. Pas si mal tenu. Or, n'oublions jamais que la France est sortie de pire que ça. Vous me direz, comment terminer une guerre civile si elle vient ? Déjà, il faut la gagner. C'est horrible. Mais une fois qu'elle est déclenchée, elle ne s'arrête pas. Une fois que les armes auront parlé, parce que d'un certain côté, là où les mots s'arrêtent, les armes commencent. Et nous n'en sommes plus très loin, puisque les mots ont été corrompus. Quand vous en êtes... Tiens, il y a une superbe notion là qui fleure bon l'ingénierie sociale. Je la connaissais pas, celle-là. Où est-ce qu'elle est ? Ah oui. Vous vous rendez compte que du terme de nation, on est passé à société, ce qui est déjà un terme important mais qui n'est pas la même chose. Ensuite, on est passé à cohésion sociale. Après, à vivre ensemble. Et après, à société inclusive. Et d'ores et déjà, on nous prépare la suite, comme l'a très bien dit Madame Mogherini. Alors Mogherini, c'est celle qui est chargée de faire taire la diplomatie des États membres, hein, pour le compte de Monsieur Juncker, hein, le sémillant luxembourgeois. Elle a dit quoi ? Elle a dit, mais vous savez, l'islam politique, c'est aussi l'histoire de l'Europe. Sympa. On ne vous parle même pas de l'islam en soi, on parle de l'islam politique. Pourquoi ? Parce que l'Union est en train de faire un choix assez sympathique qui est d'appuyer les frères musulmans contre les autres, c'est-à-dire contre Daesh et contre les Wahhabis. Ah ben oui, vous inquiétez pas, quand on s'est étalé, on peut aussi se ramasser. Vous voyez le souci ? C'est, on nous prépare une société dont le problème n'est pas d'être multiethnique. Le problème, c'est que le seul moyen qu'une société multiethnique soit vivable, c'est qu'elle soit monoculturelle. C'est simple. Pas compliqué, hein, comprendre. Or, pour ça, il faut avant tout, nous, ne pas que nous nous soyons éjectés de notre propre culture, de ne pas nous laisser dépendre de ce que nous sommes et le transmettre à nos enfants. Si les armes doivent parler un jour, ce que, croyez-moi, je ne souhaite pas, mais qu'on ne me fasse pas de procès, comme disait Cassandre, Troie est tombée, non par ma main, ni par ma volonté. Le problème, c'est que c'est un scénario possible et il n'a pas, malheureusement, de chance négligeable d'arriver. Il faut le regarder dans les yeux. D'un certain côté, tout ce qui a été fait pour détruire la France est retourné contre nos ennemis dans l'histoire. Et peut-être que ça se retournera aussi. La seule chose, c'est que nous avons des populations qui n'entendent pas entrer en fraternité avec nous. Et ça, faut le regarder en face.
Et il faut savoir leur rappeler qu'une fois que les armes ont parlé, il n'y a plus que deux choses à faire dans une cité. Reconstruire l'ordre des mots, comme disait Cicéron, et surtout, réunir la famille. Là, fondamentalement, la guerre civile, c'est une affaire de famille. C'est pour ça que nous devons d'abord la vaincre en nous-mêmes, d'une certaine manière. Et ne pas oublier une chose, la création d'un récit commun, généralement d'ailleurs ce sur quoi butent les États qui ont vécu la guerre civile, la Yougoslavie, le Liban, est un impératif. Qu'il y ait ou non conflit, nous devons savoir quelle France nous voulons, ou plutôt quelle forme nous voulons donner à ce qu'est être français. Enfin, je dirais à tous ceux qui ne veulent pas de cette solution, je leur rappellerai une chose. Dans certaines cités grecques, il faut comprendre que d'un certain côté, le communisme platonicien est une réponse à la stasis. Pourquoi ? Parce qu'en faisant élever collectivement les enfants, chaque enfant voit dans l'autre un frère, une sœur, une fille, un fils, un père et une mère. Vous voyez ce que je veux dire ? Or, il faut bien comprendre que dans certaines cités grecques, après une stasis, on tirait au sort les membres des différents camps et on les obligeait à vivre en famille. En grec, on les appelait frères par le sort. Et d'un certain côté, quoi que ceux qui veulent que la France meure, à leur corps défendant, je ne parle pas de ceux qui ont un projet constitué, je parle de ceux qui nous détestent parce que, je ne saurais même pas dire pourquoi, qu'ils n'oublient pas qu'ils sont aussi nos frères par le sort. Merci à tous.